Aujourd'hui, deux façons de travailler vos notes aiguës. Saviez-vous que la paille peut vous aider à travailler vos notes aiguës avec plus de facilité? Deuxième façon de travailler les aigus, le tri des lèvres. Donc, on essaie de travailler le glissando le plus doucement possible tout en contrôlant notre air. Ceux qui ont réussi l'exercice, aimez cette vidéo et laissez-moi un commentaire.